This is the Pearson Edexcel GCSE Paper 1 Listening in French, Higher Tier. Summer 2018. You have 5 minutes to read through the question paper. You may make notes at any time. You may open your question paper now. In a few moments, you will hear the first recorded extract in French. You will hear each extract twice. After the first playing of the extract, you will hear one bleep. After the second playing of the extract, you will hear two bleeps. After each question title is announced, there will be a pause. To allow you to read the question, some questions will be preceded by an example. You may write at any time while the recording is playing. Now, turn to the first question Section A Les voyages scolaires. Question 1. Exemple. Partir avec mes copains, c'est génial. Partir avec mes copains, c'est génial. Question. Mon père pense que les voyages scolaires ne sont pas éducatifs. Je crois qu'on apprend beaucoup. Heureusement, ma mère pense comme moi. C'est intéressant de visiter les monuments, mais les magasins et les parcs d'attractions ne m'intéressent pas. J'ai déjà fait un voyage en Suisse. Je voudrais aller aux États-Unis avec l'école en juin, mais ça coûte trop cher. Je vais bientôt partir en Angleterre avec ma classe. Mon père pense que les voyages scolaires ne sont pas éducatifs. Je crois qu'on apprend beaucoup. Heureusement, ma mère pense comme moi. C'est intéressant de visiter les monuments, mais les magasins et les parcs d'attractions ne m'intéressent pas. J'ai déjà fait un voyage en Suisse. Je voudrais aller aux États-Unis avec l'école en juin, mais ça coûte trop cher. Je vais bientôt partir en Angleterre avec ma classe. Les restaurants fast-food. Question 2. Exemple ⁇ Omar apprécie le fait qu'ils sont ouverts jusqu'à tard. Omar apprécie le fait qu'ils sont ouverts jusqu'à tard. Question 2. Cécilia pense qu'on y mange bien, mais que les serveurs sont impolis. Enora dit le contraire, qu'ils font très bien leur travail. Timéo aime tout ce qui est américain, donc il adore le décor, l'atmosphère relaxe et le fait que. Que la plupart des clients sont jeunes. En plus, Timéo n'a pas beaucoup d'argent, donc c'est idéal pour lui. Omar pense qu'on peut manger en très peu de temps, mais le menu est limité. Cécilia pense qu'on y mange bien, mais que les serveurs sont impolis. Enora dit le contraire, qu'ils font très bien leur travail. Timéo aime tout ce qui est américain, donc il adore le décor, l'atmosphère relaxe et le fait que la plupart des clients sont jeunes. En plus, Timéo n'a pas beaucoup d'argent, donc c'est idéal pour lui. Omar pense qu'on peut manger en très peu de temps, mais le menu est limité. Section B Cleaning up the environment Question Three Example. Participez à notre action nettoyage de la plage de Marguerite. Participez à notre action nettoyage de la plage de Marguerite. Question 3. Comme chaque printemps, au mois de mars, nous organisons le nettoyage pour le week-end du 6. Rendez-vous à 8h30 devant la mairie. De là, on va aller au parking de la plage où on commencera. Le retour est prévu pour 16h30 et un repas et un café chaud préparés par les apprentis du collège professionnel. Venez nombreux. L'année dernière, seulement 20 personnes ont aidé. Heureusement, il a fait beau et on a réussi à tout nettoyer. Comme chaque printemps au mois de mars, nous organisons le nettoyage pour le week-end du 6. Rendez-vous à 8h30 devant la mairie. De là, on va aller au parking de la plage où on commencera. Le retour est prévu pour 16h30 et un repas et un café chaud préparés par les apprentis du collège professionnel. Venez nombreux. L'année dernière, seulement 20 personnes ont aidé. Heureusement, il a fait beau et on a réussi à tout nettoyer. Working for a good cause. Question Four Example. Moi, je participe à une banque alimentaire. Moi, je participe à une banque alimentaire. Question 4. Ma mère m'a encouragé à être bénévole. Ce n'est pas difficile de trouver un travail. Si vous allez sur un site web, vous trouverez une liste d'organisations dans votre région. Je travaille un week-end par mois. Je donne des sacs aux gens à l'entrée du grand hypermarché Leclerc et je leur demande d'acheter des produits comme le café, le sucre, les pâtes. Nous n'acceptons pas de produits frais comme le lait ou le beurre. Ma mère m'a encouragé à être bénévole. Ce n'est pas difficile de trouver un travail. Si vous allez sur un site web, vous trouverez une liste d'organisations dans votre région. Je travaille un week-end par mois. Je donne des sacs aux gens à l'entrée du grand hypermarché Leclerc et je leur demande d'acheter des produits comme le café, le sucre, les pâtes. Nous n'acceptons pas de produits frais comme le lait ou le beurre. My. Area. Question 5. J'habite à Beau, en Bretagne. Il y a un lac où on peut faire de la voile ou du canoë, même du ski nautique. C'est la pêche qui m'intéresse. Le soir, on a un grand choix de sortie, mais malheureusement, il n'y a pas de train. Et le week-end, les bus ne circulent pas. J'utilise Internet pour faire des courses. On a construit une nouvelle piscine et un cinéma avec huit salles. Le centre de loisirs est super. Le centre-ville est triste. Il faut l'améliorer. Cela encouragerait des touristes à venir. J'habite à Beau en Bretagne. Il y a un lac où on peut faire de la voile ou du canoë, même du ski nautique. C'est la pêche qui m'intéresse. Le soir, on a un grand choix de sorties, mais malheureusement, il n'y a pas de train et le week-end, les bus ne circulent pas. J'utilise Internet pour faire des courses. On a construit une nouvelle piscine et un cinéma avec huit salles. Le centre de loisirs est super. Le centre-ville est triste. Il faut l'améliorer. Cela encouragerait des touristes à venir. Interview with Walidia Question Six. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance à Grenoble? Parfois, il y avait beaucoup de neige et il devenait impossible pour mes amis et moi d'aller à l'école. Comment avez-vous su que vous alliez devenir humoriste? Quand j'étais ado, j'ai commencé par la danse. Mais ce que je préférais, c'était faire rire les autres. Et à 16 ans, j'ai compris que je voulais d'abord faire rire avant de danser. Vos parents ont-ils facilement accepté votre décision Ma mère m'a toujours fait confiance. Mon père, c'était autre chose. Il est venu du Sénégal et a tout donné pour aller à l'université en France. Il voulait la même chose pour moi. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance à Grenoble? Parfois, il y avait beaucoup de neige et il devenait impossible pour mes amis et moi d'aller à l'école. Comment avez-vous su que vous alliez devenir humoriste Quand j'étais ado, j'ai commencé par la danse. Mais ce que je préférais, c'était faire rire les autres. Et à 16 ans, j'ai compris que je voulais d'abord faire rire avant de danser. Vos parents ont-ils facilement accepté votre décision Ma mère m'a toujours fait confiance. Mon père, c'était autre chose. Il est venu du Sénégal et a tout donné. Pour aller à l'université en France. Il voulait la même chose pour moi. A mini enterprise. Cookie making kits. Question 7. Je suis la chef de la mini-entreprise du collège. On fabrique des kits de préparation de cookies que nous vendons à 6 euros. Avant de commencer, nous avons fait un sondage parmi les étudiants et on a choisi les cookies parce que tout le monde les aime. Pour financer l'entreprise, nous avons vendu nos vieux jeux électroniques. On a déjà vendu 200 kits aux parents. Depuis qu'on est passé à la télévision locale, on en a vendu plus. On va mettre une communication sur des réseaux sociaux. Comme ça, on espère avoir plus de clients. C'est une bonne expérience. C'est un peu stressant quelquefois, mais ça m'a donné confiance en moi. C'est une bonne préparation pour le monde du travail. Je suis la chef de la mini-entreprise du collège. On fabrique des kits de préparation de cookies que nous vendons à 6 euros. Avant de commencer, nous avons fait un sondage parmi les étudiants et on a choisi les cookies parce que tout le monde les aime. Pour financer l'entreprise, nous avons vendu nos vieux jeux électroniques. On a déjà vendu 200 kits aux parents. Depuis qu'on est passé à la télévision locale, on en a vendu plus. On va mettre une communication sur des réseaux sociaux. Comme ça, on espère avoir plus de clients. C'est une bonne expérience. C'est un peu stressant quelquefois, mais ça m'a donné confiance en moi. C'est une bonne préparation pour le monde du travail. My ambitions Question Eight Part A Théo. Je vais me spécialiser en langue. Il y a beaucoup de compagnies internationales dans ma ville, mais elles ne m'intéressent pas. La compétition est dure pour être interprète. J'aimerais écrire des articles pour des journaux et aller dans d'autres pays. Asia? Je veux travailler dans un hôtel ou un restaurant parce que j'aime le contact avec le public. J'ai déjà travaillé dans une colonie de vacances, mais je n'ai pas aimé travailler en plein air. J'aime la variété. Donc, travailler dans un bureau ou un magasin, ne me conviendrait pas. Je ne voudrais pas avoir de responsabilité. Théo Je vais me spécialiser en langue. Il y a beaucoup de compagnies internationales dans ma ville, mais elle ne m'intéresse pas. La compétition est dure pour être interprète. J'aimerais écrire des articles pour des journaux et aller dans d'autres pays. ASIA Je veux travailler dans un hôtel ou un restaurant parce que j'aime le contact avec le public. J'ai déjà travaillé dans une colonie de vacances, mais je n'ai pas aimé travailler en plein air. J'aime la variété, donc travailler dans un bureau ou un magasin ne me conviendrait pas. Je ne voudrais pas avoir de responsabilité. Question 8. Part B. Frédéric. Je voulais être informaticien, mais grâce à mon prof, j'ai trouvé un poste comme apprenti boulanger. Mon père est mécanicien et son travail est stressant. Je sais que ça va être fatigant mais jamais ennuyeux et c'est bien payé. Isabelle Pour moi, l'argent n'est pas l'important, mais j'aimerais avoir ma propre compagnie. Mon frère fait du volontariat en Afrique, tandis que moi, je veux rester près de ma famille. Frédéric, je voulais être informaticien, mais grâce à mon prof, j'ai trouvé un poste comme apprenti boulanger. Mon père est mécanicien et son travail est stressant. Je sais que ça va être fatigant, mais jamais ennuyeux et c'est bien payé. Isabelle Pour moi, l'argent n'est pas l'important, mais j'aimerais avoir ma propre compagnie. Mon frère fait du volontariat en Afrique, tandis que moi, je veux rester près de ma famille. Repeating the School Year Question Nine Part A Le ministre de l'Éducation nationale veut réduire de moitié le nombre de jeunes qui redoublent. 28% des élèves français de 15 ans ont redoublé au moins une fois, comparé à 13% dans les autres pays européens. D'après un sondage, la plupart des jeunes au collège sont contre cette décision du ministre. Bien que redoubler puisse avoir des effets psychologiques négatifs, ils considèrent que le redoublement donne une seconde chance et est utile pour améliorer leurs résultats scolaires. Le ministre de l'Éducation nationale veut réduire de moitié le nombre de jeunes qui redoublent. 28% des élèves français de 15 ans ont redoublé au moins une fois, comparé à 13% dans les autres pays européens. D'après un sondage, la plupart des jeunes au collège sont contre cette décision du ministre. Bien que redoubler puisse avoir des effets psychologiques négatifs, ils considèrent que le redoublement donne une seconde chance et est utile pour améliorer leurs résultats scolaires. Question 9. Part B. Écoutez le témoignage d'Anne Charlotte. Au début, j'ai mal vécu l'expérience. Premièrement, parce que je ne l'avais pas choisie. En plus, j'ai perdu mes amis et je me suis retrouvée seule en classe. Mais, au lieu de me décourager, cela m'a motivé, cela m'a permis de grandir un peu. Pour certaines matières, j'avais les mêmes profs que l'année précédente, et je m'ennuyais un peu. Tout compte fait, maintenant je pense que c'était la meilleure décision, et je ne le regrette pas. Écoutez le témoignage d'Anne Charlotte. Au début, j'ai mal vécu l'expérience. Premièrement, parce que je ne l'avais pas choisie. En plus, j'ai perdu mes amis et je me suis retrouvée seule en classe. Mais, au lieu de me décourager, cela m'a motivée. Cela m'a permis de grandir un peu. Pour certaines matières, j'avais les mêmes profs que l'année précédente et je m'ennuyais un peu. Tout compte fait, maintenant je pense que c'était la meilleure décision et je ne le regrette pas. Holiday preferences. Question Ten Example. C'est bien d'échapper au stress. C'est bien d'échapper au stress. Question 10. Part 1. Certains en profitent pour connaître d'autres cultures pour apprendre de nouveaux sports, mais pas moi. Quand j'étais plus jeune, je partais avec des amis et on allait en boîte de nuit. On se couchait à 6 heures du matin. C'était fou! Maintenant, ça ne me tente plus. Pour moi, les vacances, c'est l'occasion de rattraper le manque de sommeil. Heureusement, j'ai de la famille au Maroc, avec qui je m'entends bien, et je n'ai même pas l'hôtel à payer. Certains en profitent pour connaître d'autres cultures, pour apprendre de nouveaux sports, mais pas moi. Quand j'étais plus jeune, je partais avec des amis et on allait en boîte de nuit. On se couchait à 6 heures du matin. C'était fou Maintenant, ça ne me tente plus. Pour moi, les vacances, c'est l'occasion de rattraper le manque de sommeil. Heureusement, j'ai de la famille au Maroc, avec qui je m'entends bien. Et je n'ai même pas l'hôtel à payer. Question 10. Part two. Ma femme aime rester allongée à la plage. Pour moi, rester immobile cinq minutes est presque impossible. Je suis fan de tourisme vert. C'est assez nouveau et très populaire. C'est vrai que la construction d'hôtels et de routes détruit le paysage, mais le tourisme vert fait vivre la vie traditionnelle des villages. On propose aussi une grande variété d'activités sportives pour les gens comme moi, ceux qui créent du travail. Ma femme aime rester allongée à la plage. Pour moi, Rester immobile pendant cinq minutes est presque impossible. Je suis fan de tourisme vert. C'est assez nouveau et très populaire. C'est vrai que la construction d'hôtels et de routes détruit le paysage, mais le tourisme vert fait vivre la vie traditionnelle des villages. On propose aussi une grande variété d'activités sportives pour les gens comme moi, ce qui crée du travail. This is the end of the recording. You may continue to write. and check your answers until the end of the test.